toutes et à tous, nous sommes le dimanche 18 février 2024. Il est 17h et j'ouvre la septième présentation de la série intitulée Les Galactiques 2024. Le thème de ce soir est Mars, destruction, réhabilitation et développement, un havre pour les mantes d'eau jaloux, c'est-à-dire d'Eris, une planète naine de notre système solaire. Les maîtres ou maîtrés des reptiliens grand gris et une faction séparatiste de terriens qui sont sous la coupe des reptiliens. Les informations que je vais partager avec vous sont, comme vous le savez déjà, de sources purement extraterrestres. Elles sont radicalement différentes des informations officielles sur Terre, au point que beaucoup les considèrent comme de la science-fiction. Je ne peux leur en vouloir car ces informations m'ont été confiées depuis le milieu de l'année 2016 par des membres d'équipage extraterrestre de plusieurs lignées. Mars était une planète où vivait une civilisation planétaire d'origine lyrienne comptant 60 millions d'individus qui s'y étaient réfugiés à la suite de la colonisation de leur planète et qui s'enfuirent en petits groupes pour pouvoir survivre. Mais suivis par leurs colonisateurs, ils se réfugièrent dans divers systèmes stellaires et certains sur Mars. S'ensuivirent des guerres violentes entre la Fédération galactique et les colonisateurs draco-reptiliens. Mars fut dévasté à la suite de ces guerres plasmiques sur Tiamat et sur Mars, et la civilisation lyrienne a été totalement exterminée par les trois races qui vont finir par la coloniser et se la partager. Conditions de vie actuelles sur Mars. L'air de Mars est respirable par des terriens, mais il contient moins d'oxygène que sur Terre, comme en très haute altitude, à 4 ou 5 000 mètres. Les séjours sont possibles, mais souvent de courte durée, et des respirateurs sont parfois nécessaires. Pour les terriens, l'altitude agit surtout sur l'organisme par la diminution de la pression partielle de l'oxygène dans l'air inspiré. Mais les personnes qui vivent depuis des générations en haute altitude, comme les Lapas ou les Sherpas, le supportent très bien car ils ont un nombre plus élevé de globules rouges qui augmente l'endurance. Ce sont les globules rouges qui transportent l'oxygène. La surface de Mars est désertique avec quelques zones boisées et de la garrigue sur la majeure partie de sa surface. Il y a des lacs et des rivières. Ce fait fut confirmé en 2018 par une équipe de scientifiques terriens qui découvrit un grand lac d'eau salée liquide de 20 km de diamètre sous la surface du pôle sud. Ils en ont trouvé trois autres par la suite, ce qui signifie qu'il y a beaucoup plus d'eau sur Mars que nous ne le pensions initialement. Selon mes contacts, certains lacs sont asséchés et d'autres contiennent de l'eau liquide ou sont souterrains. Il y a beaucoup d'animaux sauvages, mais leur nombre est minime comparé à la faune qui y vivait avant les guerres sur Mars et sur Tiamat. L'activité volcanique est élevée et il y a de multiples tremblements de terre. Il y a de nombreuses ruines un peu partout, plus importantes à certains endroits qui correspondaient aux villes. Il y a aussi de nombreuses pyramides qui étaient utilisées comme centrales électriques, dont une à cinq côtés que l'on voit dans la zone de Sidonia, à proximité de ce que l'on appelle le visage. Elle est appelée D et M, les initiales de Vincent Di Pietro et Grégory Molénard, qui l'ont mise en évidence. Ces pyramides font aussi partie de la civilisation détruite lors de la Grande Guerre.
Le 25 juillet 1976, l'orbiteur Viking 1 a pris un cliché du visage de Mars. Si les scientifiques y voient un banal jeu d'ombre et de lumière sur le relief, c'est une construction érodée qui appartenait aussi à la civilisation détruite. Il y a également des satellites appartenant à plusieurs races, y compris la faction humaine terrienne. Mars n'a pas de lune parce que Phobos et Deimos sont des bases extraterrestres, des vaisseaux biosphères en forme de rochers. La civilisation martienne. La planète Mars est divisée en trois secteurs. Humains, reptiliens, des mantes et les maîtres. Les trois secteurs sont de taille égale et sont constitués essentiellement de bases souterraines. Les zones d'habitation entre les trois races sont séparées par des frontières qui feraient pâlir celle entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, la plus militarisée du monde, avec des bandes de plusieurs kilomètres de large, des nids de mines, des robots assassins dotés de mitrailleuses plasmiques, des barbelés électrifiés, des tourelles de capteurs de mouvement, etc. L'un des trois secteurs est occupé par une faction séparatiste terrienne du programme secret, sous le contrôle des draco-reptiliens terriens. Le second est occupé par les mantes d'Ojalou, d'Eris, et le troisième par les maîtres ou grands gris. Les trois groupes ont militarisé un tiers de la planète Mars. Voyons maintenant les trois secteurs. Le secteur des terriens, des draco-reptiliens qui utilisent des corps humains terriens et leurs familles, constituant une partie de la cabale et qui travaillent pour elle, se déplacent presque exclusivement par portail de dombes sur Terre à dombes sur Mars, c'est-à-dire de bases souterraines sur Terre, directement à des bases souterraines, leurs bases souterraines sur Mars, exactement comme dans le film Doom. Cette zone est une base militarisée avancée avec la cabale du programme secret spatial américain. C'est la base terrienne la plus éloignée de la Terre à ce jour. L'Empire d'Orion a beaucoup changé car les lignées reptiliennes sont devenues très positives. Mais cette transformation exclut les gris qui sont appelés maîtres ou maîtres et qui sont connus sur Terre sous le nom de grands gris. Les grands gris ont des bases souterraines sur Terre et ils collaborent avec les draco-reptiliens, la cabale martienne. Ils évoluent dans une fréquence basse, en 3D ou 4D, et pour évoluer en 5D, la fréquence de Mars, ils utilisent une technologie pour se maintenir dans des fréquences faibles. Donc, ils maintiennent cette fréquence dans leur base souterraine et ne remontent que rarement à la surface en portant des combinaisons de protection, donc sur Mars, mais c'est aussi vrai sur Terre. Sur Terre, c'est beaucoup plus facile parce qu'ils peuvent s'infiltrer ou s'incorporer dans des corps humains qui leur sont indispensables, car sans ce corps humain, ils ne pourraient pas aller loin ni habiter certaines planètes, et leur instinct est la conquête et l'expansion. Ils utilisent les portails et c'est un problème parce qu'il y en a beaucoup sur Terre. Certains sont en ruine. L'Irak, par exemple, a été envahi pour s'emparer de ces portails. Et il y en a des modernes dans la zone 51, la zone S4 sous le Patagone, sous le complexe du mont Cheyenne au Colorado, qui est une montagne qui culmine à 2915 mètres d'altitude et sous lequel se trouve un complexe militaire. Les portails existent aussi dans certains bâtiments spéciaux. Ils sont difficiles à trouver et à détruire car ils se trouvent surtout dans des bases militaires souterraines les plus profondes. Ils limitent leur déplacement aux endroits qui ont la même fréquence que la leur.
ils ne peuvent pas accéder à de nombreux lieux de la galaxie en 5D car ce serait toxique pour eux. C'est aussi pour cela qu'ils ont besoin de maintenir la Terre à une fréquence basse de 7,83 Hz. Voyons maintenant le secteur des grands gris, maîtres ou maîtrés. Ils sont interstellaires et peuvent voyager dans l'espace, mais ils n'ont pas de technologie suffisamment avancée pour modifier l'espace-temps. Ils utilisent donc essentiellement des trous de ver avec leurs vaisseaux ou des portails. C'est une espèce négative envahissante ou régressive, alliée aux draco-reptiliens qui contrôlent la cabale terrestre, mais ils sont souvent en désaccord et les deux parties se battent assez fréquemment. Ils considèrent les émotions et les sentiments comme de la faiblesse et ils ne font preuve d'aucune empathie. Les maîtres sont une race secondaire qui a été conçue et élevée par les draco-reptiliens qui ont amalgamé leurs gènes avec ceux d'une lignée spécifique de Zeta Reticuli. Il y a 165 races de petits gris, mais le résultat fut loin de ce qu'ils recherchaient et qui était de créer cette race pour faire des maîtres leurs serviteurs. Mais cela ne s'est pas passé comme ils l'avaient prévu. Ces essais ont donné naissance à une espèce de gris beaucoup plus grand et beaucoup plus puissant, avec des caractéristiques appuyées de cruauté et de froideur. Ils sont devenus incontrôlables. Ils ont dominé la planète Mars après avoir tué leur créateur. Ces maîtres se reproduisent uniquement par éprouvette ou clonage. Ils se sont répandus dans tous Zeta Reticuli et ont établi des alliances avec les races réfractaires d'origine sauroïde, reptilienne. Ils sont arrivés dans le système solaire Sol 13 et ont mis en place leur plus grande base avancée sur Mars. Ils ont également des bases souterraines sur Terre, comme à Dulce au Nouveau-Mexique. Parlons maintenant des mantes haïtiennes. Haïtienne, ça s'écrit A-E-T-H-I-E-2-N-E-S. Le secteur suivant est dominé par une espèce d'origine insectoïde appelée les mantes haïtiennes. Elles sont interstellaires et peuvent évoluer dans l'espace. Elles se disent neutres, mais si elles ne sont pas effectivement ouvertement négatives, elles ne font que suivre leur propre agenda. Elles pensent très différemment des autres races ou de celles de la Fédération galactique. Elles sont organisées en ruches avec une reine dominante. Elles sont dangereuses et n'hésitent pas à tuer. Elles ne sont pas toutes d'amour comme on le pense sur Terre, car elles doivent être très fortes et agressives parce qu'elles partagent une planète avec deux autres espèces hostiles. Comme ce qui concerne les descriptions qui sont faites sur Terre, de nombreuses lignées extraterrestres, toutes d'amour, elles ne sont pas toutes telles qu'on les décrit. Les mantes haïtiennes sont envahissantes comme des fourmis et elles se défendent en écrasant tous ceux qui leur barrent la route. Et elles se justifient en avançant des arguments métaphysiques commodément modifiés selon leurs besoins. Les différents systèmes de civilisation, les mantes haïtiennes ont un esprit de ruche organisé autour d'une reine dominante et donc une grande famille. Les grands gris maîtres, ils ont également un esprit de ruche et une structure pyramidale du pouvoir. Ils se reproduisent en laboratoire. Et les draco-reptiliens et les terriens sont organisés en système pyramidal comme sur Terre, en niveau ou couche sociale de la plus puissante, la plus haute puissance, les militaires, les royautés, la religion, les multinationales et les ouvriers tout en bas. Question de Maria.
Vous disiez que les mantes avaient besoin d'un corps. Ce sont les reptiliens qui s'infiltrent dans des corps d'humains. Question de Louisa. Oui, vous avez parlé des SSP. Est-ce que vous pouvez préciser ce que ça veut dire? SSP, Secret Space Program. C'est le programme secret spatial américain. Question de Martine. À quelle profondeur vivent-ils sur Mars? Je ne le sais pas, mais je peux vous préciser sur Terre, ça vous donnera une idée. Toutes les lignées reptiliennes vivent à une centaine de kilomètres sous Terre et les Agartiens, dont je parlerai aussi, vivent à 1000 kilomètres sous Terre. Et les deux lignées, donc reptiliennes et Agartiennes, utilisent les entrées au pôle sud et au pôle nord, parce que la Terre est un tore, et donc ils utilisent ces entrées pour rejoindre leur propre base souterraine en entrant par le pôle. Et dans ce tunnel, à 100 km, il y a une entrée vers les bases souterraines reptiliennes, et là, ils peuvent garer leur vaisseau, et ils empruntent des trains à très grande vitesse qui les amènent vers toutes les autres bases qui se trouvent un peu partout sous terre à travers le monde. Les terriens qui sont contrôlés par les draconiens sur Mars, on a des témoignages de gens qui disent qu'ils sont partis sur un programme 20 ans et retour, des enfants qui disparaissent 3 heures et qui partent 20 ans dans l'espace-temps. Est-ce que ça, ce sont des choses réelles? Alors là, j'ai différents sons de cloche parce que certains de mes contacts m'ont dit que ça n'était pas vrai. Et par contre, leurs témoignages sont vraiment crédibles et on voit bien, quoi, qu'ils ont bien le détail de ce qu'ils ont fait. Alors je ne peux pas me situer. Question de Maria. On dit souvent que Mars est rouge. Est-ce que ça vient de l'infrarouge, ou est-ce que vraiment il y a de la terre rouge? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle la planète rouge? Toujours d'après mes contacts, toutes les images que l'on voit de Mars ne sont pas réelles. Ce sont des images qui ont été prises dans différents endroits sur Terre, notamment l'île de Devon. Autre question de Louisa. Je voulais avoir une petite précision sur trois groupes. Vous pouvez repréciser? La faction terrienne fait un secteur. Le deuxième secteur, ce sont les grands gris. Et le troisième secteur, ce sont les mantes. Et donc, ce sont les trois secteurs qui occupent Mars et qui ont militarisé un tiers de la planète. Question de Martine. Ces terriens qui se retrouvent donc maintenant martiens sont des gens qui ont été emmenés dans les fameux voyages en tant qu'esclaves, ou ce sont des gens qui ont choisi de les accompagner? Mars, c'est la troisième planète occupée par les élites de la Kabbale. La première, c'est la Terre, la deuxième, c'est Vénus, et la troisième, c'est Mars. Et les positions les plus élevées de la société terrestre collaborent ensemble, comme sur Terre d'ailleurs, hein, c'est la même chose. Une question de Louisa. Vous avez parlé des dracons reptiliens en disant qu'il ne fallait pas confondre avec les alpha draconiens. Vous avez dit que c'était des dragons. Est-ce que c'est des dragons colonisateurs ou pas? Les alpha draconiens étaient des colonisateurs, mais ils ne le sont plus maintenant. Les alpha draconiens sont les dragons et les draco-reptiliens, donc ce sont deux lignées différentes. Les uns ressemblent à des dragons avec des ailes et les autres ressemblent plutôt à des crocodiles sur deux pattes. Les alpha draconiens, comme beaucoup de lignées extraterrestres, ont habité sur Terre. Ils sont arrivés ici à un moment donné ou à un autre, et puis ils sont repartis. Question de Karine. Vous avez parlé de la 3D, qu'il préférait garder la Terre en 3D. Pourriez-vous développer, s'il vous plaît? Ce sont les colonisateurs, c'est-à-dire les draco-reptiliens, qui se sont servis de la Lune pour garder la Terre en 3D. La Terre, normalement, est en 5D. Si personne n'avait touché aux fréquences terriennes depuis la Lune, la Terre actuellement serait en 5D.
D'abord, ça a été la Fédération galactique qui a mis la Terre dans cette bulle électromagnétique pour à la fois continuer à la protéger, mais se protéger eux aussi parce que les colonisateurs étaient en train de tout investir partout dans ce cadran de la galaxie, donc ils voulaient les arrêter, et c'est aussi pour les faire prisonniers. Puis ça a été les dracos reptiliens. Soit on crée des accords avec les lignées qui utilisaient la Lune comme cosmoport, soit ils se sont emparés des technologies qui leur permettent de réduire les fréquences terrestres. Et on voit cela au fait que les 72 réacteurs qui sont à l'intérieur de la Lune, qui sont ses moteurs, ne sont pas utilisés pour réduire les fréquences. La réduction, le bridage des fréquences est fait à partir des 12 réacteurs qui sont plus en surface, plus proches de la coque extérieure. Et ces réacteurs sont des réacteurs nucléaires ionisants, tandis que ceux qui sont à l'intérieur, c'est de l'énergie 2.0. Et le bridage des fréquences n'est pas fait à partir des réacteurs intérieurs, il est fait à partir de ces réacteurs nucléaires. Je ne peux pas répondre avec plus de précision parce que ce serait vraiment dérivé vers quelque chose d'ultra-sensible que je ne souhaite pas aborder dans une vidéo qui va devenir publique, mais qu'on pourra aborder dans les ateliers, les ultra-sensibles, que nous avons aussi une fois par semaine. Une autre question de Louisa. La notion de 2.0, est-ce que ça veut dire naturel? Et autre question, pourquoi, si la fréquence de la Terre a été bridée par les réacteurs externes ionisants, pourquoi on ne les a pas remis à 2.0? 2.0, ça n'est pas 2.0, ça n'est pas comme une extension informatique, par exemple telle version 2.0, c'est 2.0, c'est-à-dire une énergie qui est non ionisante, produite à partir de réacteurs beaucoup plus puissants créés par les extraterrestres. Et puisque les autres le sont, d'où viennent-ils? Donc les réacteurs intérieurs de la Lune sont des réacteurs qui ont été construits par des extraterrestres. Puisque toute la Lune, c'est un vaisseau spatial qui a été créé, comme vous le savez, par les Arcturiens, sur une commande des Andromédiens. Les Andromédiens ne vivent que sur des biosphères artificielles, qu'ils ne veulent plus habiter sur une planète. Ce sont les Arcturiens, avec les ingénieurs andromédiens, qui ont construit cette biosphère, et donc le centre, les moteurs, les 72 réacteurs, ce sont des réacteurs d'origine extraterrestre, énergie 2.0. Tandis que les réacteurs extérieurs qui brident les fréquences terriennes, il y en a 8 qui sont plus anciens et 4 qui sont plus récents. Mais ils ne peuvent pas les enlever parce que s'ils les enlevaient, les fréquences de la Terre repartiraient en 5D à 50 Hz. 3D, c'est 783 Hz. 5D, c'est 50 Hz. Donc, brusquement, toute la planète, tous les terriens se retrouveraient en 50 Hz. Ça fait qu'ils pourraient voir leur spectre visuel serait très très étendu, comme les extraterrestres. Eux voient des choses que nous ne pouvons pas voir parce que nos systèmes de perception sensorielle sont bridés à 783. Si d'un seul coup on ouvrait tout, par exemple, vous verriez tout ce que vous ne voyez pas maintenant, c'est-à-dire tous les fantômes, toutes les entités qui n'ont pas forcément un corps physique comme le nôtre. Et c'est pour ça d'ailleurs que les draco-reptiliens s'intègrent dans un corps humain parce que ça leur permet de vivre en 783. Question de Franck. Vous avez parlé de Phobos et Deimos qui étaient des biosphères des colonisateurs. Est-ce que ce sont des biosphères en orbite autour de Mars? Par qui ont été construites ces biosphères? Oui, ce sont des biosphères artificielles qui ressemblent à des lunes naturelles comme la nôtre. C'est une biosphère métallique, mais elle nous apparaît naturelle parce qu'il y a un hologramme devant pour que nous la percevions comme telle. Et c'est la même chose pour les deux lunes martiennes. Irina? Oui, ma question est sur les fréquences, le 50 et le 783.
Est-ce qu'il y a des technologies par lesquelles des terriens ou des autres êtres pourraient construire un microclimat autour de soi ou dans un autre endroit qui est tout à 50? Pas sous les conditions actuelles. Donc, vous ne pourrez pas construire un environnement en 5D si vous êtes en 783. Par exemple, lorsque vous pensez à un système informatique, version 10 ou 11 va être capable de lire les versions qui sont en dessous, tandis que celles qui sont en dessous ne peuvent pas voir celles qui sont au-dessus. Donc là, c'est la même chose. On ne peut pas évoluer en 5D sur Terre tout le temps que c'est en 783. Maintenant, bien entendu, si vous étiez par exemple à 1 000 km sous Terre et que vous aviez une grotte, vous pourriez la créer. J'ai une continuation de la question. Suite au processus d'illumination, c'est vrai qu'on est toujours à 50. Lorsque vous traversez le processus de l'illumination, vous pouvez percevoir au-delà de la fréquence 783. C'est correct de dire qu'une personne qui a traversé le processus devient son propre microclimat à 50 Hz. C'est une suggestion amusante, comme vous avez votre propre grotte intérieure en 5D. C'est une manière d'être, c'est une manière de percevoir les choses. On utilise ces termes, enfin les extraterrestres aussi, les 3D, 4D, etc., ne sont pas un escalier qu'on peut emprunter pour atteindre des fréquences supérieures. Ça n'est utilisé que pour faire comprendre ces différences de 50 Hz et 783 Hz, c'est-à-dire l'une est basse et l'autre beaucoup plus élevée. Bien sûr, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de différences au point de vue physique. Mais vous pourriez très bien être en 5D et ne jamais ou pas du tout avoir traversé le processus de l'illumination. Louisa et ensuite Martine. Vous disiez que les 12 réacteurs n'avaient pas d'influence sur la fréquence de la Terre actuelle. Donc, s'il n'y a plus d'influence sur la fréquence de la Terre, elle ne va pas être ionisée par les réacteurs de la Lune. Alors en fait, les 72 réacteurs qui sont au centre de la Lune, c'est son moteur pour piloter la Lune et la bougie. Tandis que les 12 réacteurs qui sont plus à l'extérieur, ce sont eux qui brident les fréquences de la Terre en jouant sur sa magnétosphère au niveau des bandes de Van Allen. Et comme ce bridage est fait à ce niveau, tout ce qui est à l'intérieur est à cette fréquence. Question de Martine. Les trois secteurs vivent-ils en 3D? Est-ce pour cela qu'ils vivent de façon souterraine suite à la guerre sur la planète? L'atmosphère était-elle trop polluée radioactivement? Alors, je n'ai pas dit que les trois secteurs de la Lune étaient en 3D. J'ai dit simplement que les dracoreptiliens ont besoin de vivre dans une certaine fréquence, c'est-à-dire ce qu'on appelle la 3D et la 4D, c'est-à-dire des fréquences beaucoup plus basses que les 50 Hz du cosmos. En fait, tout le cosmos est en 50 Hz, excepté la Terre ou quelques planètes qui sont dans une bulle électromagnétique pour les protéger. Mais sur Terre, c'est un peu particulier. Mars est en 5D aussi. C'est pour ça que j'ai dit qu'ils baissent la fréquence de manière artificielle dans leur base, parce qu'ils ne peuvent vivre que dans des fréquences basses, pas dans des fréquences hautes. Et ils ne sont pas interstellaires, parce que s'ils évoluent dans le cosmos en 5D, c'est très toxique pour eux. C'est Karine. Lorsqu'on médite, nos fréquences s'élèvent. C'est-à-dire lorsque vous méditez, en fin de compte, vos fréquences s'élèvent non pas parce que vous méditez sur quelque chose de supérieur, mais parce que vous allez au plus profond de vous-même. Un lieu, on va dire, tout à fait vide, où vous pouvez être rien ou tout à la fois. Voilà, il est 18 h. Je vais donc mettre fin à cette visioconférence en vous remerciant d'être présent, d'avoir assisté à cette présentation et pour toutes vos questions intéressantes. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée, méditez bien. On se revoit dimanche prochain. Au revoir.